Bonjour, c'est Sophie. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire une méditation pour vous connecter au cœur de votre animal. Alors avant de commencer cette méditation, je vais vous demander de vous installer dans un endroit calme où vous vous sentez en sécurité, en paix et où vous êtes sûr que personne ne va venir vous déranger. S'il y a votre animal à côté de vous, laissez-le vivre sa vie. Ne l'obligez pas à rester à côté s'il n'a pas envie. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir l'animal présent à côté de vous pour établir cette connexion de cœur à cœur. Vous pouvez aussi établir une connexion de cœur à cœur avec un animal qui est décédé. Il vous suffit d'avoir une photo de lui ou d'avoir un souvenir très précis de lui. Et c'est suffisant pour créer cette connexion. Et avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous pensez à la fin de cette méditation que ça peut aider quelqu'un, partagez-la. Et je vous dis à tout de suite. Alors, maintenant que vous êtes bien installé, vous pouvez être assis, les jambes bien ancrées en terre ou carrément allongé. Quand on est allongé, on a plutôt tendance à s'endormir. Donc, on va éviter, vaut mieux être simplement assis, être à l'aise, ça c'est le plus important. Donc, on va commencer. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous concentrer uniquement sur votre respiration, sur l'air qui rentre dans vos narines et l'air qui sort de votre corps. Et on inspire naturellement et on expire. Inspirez et expirez. Et ressentez peu à peu une détente qui s'installe à l'intérieur de vous. Vous ressentez les muscles de votre visage qui se détendent. Vos épaules, votre cou, tout devient plus souple dans votre corps. Vos bras, vos mains. Et continuez à respirer naturellement. Ressentez votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être que vous ressentez votre cœur qui bat à l'intérieur de vous. Votre ventre se détend, vos hanches, vos cuisses. Vos genoux et enfin vos pieds, vos orteils. Et peu à peu, c'est tout votre corps qui est détendu, relaxé. Et maintenant que vous vous sentez calme et en sécurité, je vous invite à visualiser une grande prairie. Et au milieu de cette prairie, il y a un banc. Vous observez ce banc, peut-être est-il en bois, en pierre, en ciment, ou même en fer. Peu importe, c'est votre banc. Vous asseyez dessus
et observez tout autour de vous. Peut-être que vous sentez le vent sur votre visage, la chaleur du soleil. Ressentez. Peut-être qu'il y a de l'air frais qui passe. Et au loin, vous voyez votre animal. Il joue dans l'herbe. Vous l'observez. Et vous l'appelez par son prénom. Il relève la tête fièrement vers vous. Vous regarde intensément et se met à courir en votre direction. Peut-être fait-il des bonds ou pas. Peut-être que ses poils bougent en fonction de sa course. Peut-être que ses oreilles bougent avec le vent ou pas. Et vous le voyez s'approcher de vous. Puis, il arrive près de vous. Il vous donne 10 coups de tête. Vous sentez sa chaleur. Vous lui demandez de rester près de vous. Vous pouvez le caresser. Vous sentez la douceur de son poil. Son haleine peut-être. Et maintenant, vous visualisez un cordon qui part de votre cœur jusqu'à son cœur. Ce cordon peut avoir une couleur particulière. Il est peut-être bleu, rose, jaune, or peut-être, ou un blanc très 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 lumineux. Prenez le temps de bien visualiser ce cordon qui vous relie l'un à l'autre. Et une fois que ce cordon est bien relié, vous pouvez lui envoyer tout l'amour que vous avez pour vous. Vous allez visualiser comme une onde qui passe dans ce cordon et qui va jusqu'à son cœur. Ressentez tout l'amour que vous avez pour lui et donnez-lui cet amour. Puis, votre animal va lui aussi transmettre son amour qu'il a pour vous par ce cordon. Vous pouvez lui demander, montre-moi, fais-moi ressentir l'amour que tu as pour moi
Et vous allez visualiser une onde qui part de son cordon, de son cœur, qui traverse tout le cordon et qui arrive dans votre cœur. Peut-être que vous allez ressentir beaucoup de chaleur à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il va y avoir des émotions qui vont monter. Accueillez-les. Si vous ressentez une vague d'amour trop intense, prenez uniquement ce que vous voulez. Et acceptez le beau cadeau qu'il vous fait en vous transmettant tout son amour. Peut-être que vous vous sentez serein en ressentant tout cela. Si vous le sentez, vous pouvez lui demander s'il a un message pour vous. S'il a envie de partager quelque chose avec vous, il le fera. S'il n'a pas envie, acceptez et envoyez-lui beaucoup d'amour. Prenez le temps de vous connecter à ce sentiment d'amour profond entre vous deux. Ressentez-le dans tout votre corps. Dites-lui à quel point vous l'aimez. Prenez le temps de le remercier pour ce moment avec vous. Puis, le cordon se défait comme des feuilles qui s'en vont, qui se désagrègent avec le vent. Vous continuez un moment à observer votre animal, regardez-le. Prenez le temps de le caresser, de lui parler. Dites-lui à quel point il est extraordinaire et généreux d'avoir accepté ce moment avec vous. Vous pouvez prendre un moment pour jouer avec lui, s'il le désire, bien sûr. Profitez de ce moment de complicité avec lui. Puis, maintenant, vous l'embrassez, le caressez à nouveau. Lui dites que vous l'aimez et que vous serez régulièrement dans cette prairie. Vous saurez qu'il est là. Il viendra dans cette prairie pour vous retrouver ici et maintenant. Vous le laissez s'éloigner de vous. Vous l'observez.
Vous regardez à nouveau la prairie. Ressentez un sentiment de quiétude en la voyant. Et vous vous concentrez maintenant uniquement sur votre respiration, sur l'air qui entre et qui sort de votre corps. Vous respirez naturellement. Vous prenez conscience, peu à peu, de votre corps tout entier, de vos pieds, vos orteils qui bougent, vos jambes, vos doigts qui bougent à nouveau. Vous vous sentez calme, serein, en paix et rempli de l'amour de votre animal. Respirez profondément. Inspirez et expirez. Vous pouvez bouger un petit peu votre corps, reprendre des sensations. Et quand vous vous sentez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement à votre rythme. Voilà. Oh, ça fait du bien. Ah. Donc j'espère que cette méditation vous a plu, qu'elle vous a détendu et vraiment connecté avec votre animal. Il faut m'excuser, je sors un peu de la méditation en même temps que vous. Ça détend, on est en pleine quiétude et puis bon, je suis dans un environnement tellement féerique que c'était le lieu idéal pour vous proposer cette méditation. Donc je vous invite à la faire régulièrement. Sachez que vous pouvez retourner dans cette prairie, retrouver donc votre animal ou un animal que vous avez eu par le passé avec qui vous vous entendiez très bien. C'est le lieu idéal pour les retrouver. Ils seront toujours présents dans cet endroit-là si vous les appelez. Donc je vous invite à le faire régulièrement. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.